Bonjour madame, bonjour tous les auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel et de YouTube. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est le tour de Catherine Bernard de nous montrer qu'elle s'est menée de bout en bout cette séquence de lecture qui va nous permettre de vivre cette lecture-là, qui va nous permettre de vivre la liturgie de chaque jour. Et bien sûr, je vais vous laisser Catherine être toute seule comme une grande. D'accord, Catherine? Bonjour. Bonjour, aujourd'hui on est mardi 15 décembre 2020. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer ma lecture, je vous propose d'écouter une petite prière de Luce Rose. Je vous en prie. Seigneur, ôte de moi aujourd'hui toute envie de me plaindre, car la fatigue, la maladie ou l'épreuve me rapproche de toi. Je suis ton enfant, ô Père, et tu viens à moi pour soulager ma peine et porter mon fardeau. Avec toi, Seigneur, je n'ai vraiment rien à craindre. Accueille chez toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent et aussi ceux qui se sont confiés à moi ces jours-ci. Que ton esprit d'amour puisse éclairer leur route pour qu'ils découvrent eux aussi ton formidable amour. Pardon, Seigneur, pour notre lenteur à comprendre que la paix et la joie, nous la trouvons qu'en toi. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai purs les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà les fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges, dans leur bouche plus de langage trompeur, mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Ce que moi je retiens dans cette lecture que je viens de lire, c'est l'appel au sacrement de la réconciliation. Quels que soient nos péchés, Dieu nous invite à nous abandonner encore à lui et accueillir sa miséricorde. Laissons-nous guider par lui. Les pauvres crient, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
pauvre cri, le Seigneur entend. Merci à chacun de vous, fidèles auditeurs, et je tiens aussi à remercier Marcel, Mazam et Olivier. Et pour finir cette séquence, je vous propose la chanson de Glorious, Minuit chrétien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. L'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous. Le monde entier tressaille d'espérance en cette l'amour unit ce qu'on cherche.